en préambule à la Hydra, il y a un texte qui est rajouté dans certaines éditions, il y a un texte qui provient des Agis du Zohar, des Tosfot HaZohar. Et ce texte de Tosfot HaZohar, il raconte comment Rabbi Shimon, il avait déjà préparé sa mort de nombreuses années avant. C'est un texte super intéressant. Normalement, il n'est pas dans les éditions de la Hydra, mais dans les bons livres, ils l'ont placé en préambule. Et c'est un texte très fameux. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui figure plusieurs fois dans le Zohar. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Que Rabbi Shimon, il est malade. Donc, il est souffrant. De nombreuses années avant, d'ailleurs, quand il n'y a pas de contenu, en tout cas, de nombreuses années avant, il sait qu'il va mourir. En tout cas, il est agonisant, on va dire. Il est agonisant. Et il y a ses disciples autour de lui. Et ils sont inquiets. Ils voient qu'il perd connaissance. Ils voient qu'il n'y a pas de mal. Et Rabbi Shimon, il se réveille. Et il dit, non, n'ayez pas peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, effectivement, j'allais mourir. Et il raconte qu'il est monté en haut. Et qu'il a choisi sa place. Et ça, c'est ramené au début de la Hydra, parce qu'au début de la Hydra, il dit, le jour, parce qu'il dit, maintenant je vais mourir, mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà tout organisé en haut. Donc c'est déjà tout réglé. Et dans ce texte là-bas, dans les Tosfot HaZohar, ceux qui veulent vraiment les références, c'est un texte en préambule. Ils ne le mettent pas dans les éditions de la Hydra. C'est ça, c'est dans les Tosfot HaZohar. C'est à la fin, c'est pas de Chine peut-être là-bas. Mais en tout cas, il y a quelque chose là-bas d'extraordinaire, c'est qu'il raconte qu'il monte. Il raconte qu'il monte, et il raconte qu'il a une discussion avec Adam Arishon. Je me souviens bien. Et il parle avec Adam Arishon, et il demande à Adam Arishon. Il dit, mais dis-moi, c'est quoi ta faute? Et Adam Arishon lui répond, et ça c'est un truc qui est marqué que dans le Zohar, parce que c'est marqué nulle part ailleurs. Il dit, tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est une parabole. Ça veut dire quoi? Il dit, l'histoire d'un homme et d'une femme et d'un serpent et d'un arbre et d'un fruit, tout ça c'est une parabole, ça n'existe pas. Et il dit, pourquoi la Torah a dit ça? Il dit, la Torah elle a dit ça, pour pas que les gens ils connaissent exactement quelle est ma faute. Bon, ça, c'est une paracha en soi. C'est une paracha en soi, le Rama qui le ramène, il y a beaucoup d'explications dessus. Mais bref, le Rabbi Shimon, il revient en bas et il dit ça. D'accord ? Non, mais enfin, ça, c'est des trucs très, très amoureux dans le genre. Donc, revenons à la Hydra. S'il y a des questions, on a juste une pause. S'il y a des questions. Oui, la traduction de ce qui vous l'avez en ligne, vous l'avez d'occasion, etc. Elle est pas mal, pas mal. Mais la Hydra, c'est un texte très compliqué. Donc maintenant, imaginez quand même que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. On ne parle pas de n'importe qui. Et c'est son dernier cours. Il a réuni ses meilleurs élèves, il va disposer, en plus c'est très précis, un il va à droite, un il va à gauche, un il est devant lui, donc c'est très important, parce qu'il doit placer ses élèves d'une certaine manière, et sinon l'influx ne passe pas. Donc c'est pour ça que quand vous allez à des cours de Torah, qu'il y a des vrais rabbinim qui vous disent oui ou non, il faut faire attention, c'est de là qu'on apprend. Donc il place ses élèves d'une certaine manière, et donc, c'est son dernier cours. Et quand c'est son dernier cours, de quoi il va parler? Et toute la question, c'est de comprendre. Toute la question, c'est de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Toute la question, c'est de comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans les draps? Et ça, c'est très, très compliqué. Parce que soit on le voit comme un texte technique, c'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup de détails sur les sirops, sur des choses comme ça. Ou soit vraiment, on perçoit qu'il y a un fil particulier qu'il n'y a que dans ce texte-là. Et ça, BMF, je répète aujourd'hui, tant qu'on a passé 50 fois la Hydra, on ne peut pas comprendre. Je ne peux pas comprendre, il faut l'avoir lu au moins 50 fois. Mais en gros, je vais porter un courrier comme je fait avec mon frère il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Sur la Hydra, le retour, le retour, le retour.
Même quand tu dis maintenant, je vois des choses que je ne voyais pas de mon vivant. C'est important. Et maintenant, je vais vous dévoiler des choses que de toute ma vie, je ne pouvais pas, et que maintenant, elles sont claires pour moi. Il me dit comme ça. Et maintenant, c'est des choses qui sont claires pour moi. Chez moi. Et qu'est-ce qui est clair? En gros, c'est qu'il va décrire, depuis le début de la Hydra jusqu'à la fin de la Hydra, le mouvement de l'infini, depuis le haut vers le bas. Ça veut dire, c'est pas non plus un chidouche, on le fait ça déjà. Mais il montre comment ce mouvement, il est là. Il est là. Il le décrit. Au fur et à mesure qu'il le décrit, il le voit. Quand il va arriver à la fin, il va descendre vers la fin du mouvement, il va arriver au moment où il va dire ce mot Chaïm, parce qu'on arrive à mourir. Donc ce mouvement, il le décrit. Et c'est vrai que quand on lit la Hydra superficiellement, on a l'impression qu'il va parler, alors j'explique en gros pour qu'on lit la Hydra, il va décrire des parties. Donc c'est considéré comme s'il y avait un corps, mais encore, c'est un corps assez particulier, et on va parler des yeux, de la barbe, des oreilles, du front, du nez, des bras, etc. Mais c'est pas clair. C'est pas clair. Il décrit comment ce mouvement, il se fait. Il décrit comment ce mouvement, il se fait. Et il le décrit d'une manière qui est écrite nulle part ailleurs. Alors, ça a été une introduction. Il faut revenir dessus dans plusieurs fois. Alors moi, je vais choisir un texte dans l'Aïdra. C'est page Resh Sadik Amoudet. C'est pas très long, mais on va prendre un peu de temps. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a dit. Kol ma de Amina, vous avez le texte devant vous. Bon, Amar Rabbi Shimon. Kol ma de Amina, de Afia Gadisha. Kol ma de Amina, de Zerandé. Il y a deux, effectivement, c'est connu, il y a dans le Zohar des figures, des parties, des configurations. Il y en a une qui s'appelle Atika Kedika, qui s'appelle l'ancien saint. Il y en a une qui s'appelle Zer, c'est pas Zer, donc une fois c'est Zer. Il y en a une qui s'appelle Zer Ante. Il y en a une qui s'appelle le petit Vida. Elle dit tout ce que j'ai dit à propos de Atika Kedika, et tout ce que j'ai dit à propos de Zer Ante. Pour aller vite, Atika Gadisha, en gros, c'est Keter, et Zerantin, en gros, c'est Kiferet. Kula Chat. Tout ça n'est qu'une seule chose. C'est Kula ou Chadmila, et tout ça n'est qu'un seul mot. Ça, c'est le point central de l'Hydra. C'est que maintenant, tout est uni. Pas quand on donne plus la Kabbale, on connaît une chose ici, une chose là, à droite, à gauche, etc. Et maintenant, tout ça, ça forme un tout. La Talia B, Pérouda. Et il n'y a aucune séparation. Tout est uni. Le rire, on le rire chez nous, et donc que soit béni son nom, et que tout soit béni, et que soit béni son nom, le Alam, le Anami, pour tout ça. Donc déjà, ça s'est posé. Maintenant, ce que j'ai décrit, moi, c'est le mouvement de l'unité globale. Tachado, viens et vois. Utada, Bikrea. Alors, Balaïdra, au départ, il a essayé de parler du problème du commencement. Évidemment, le commencement, c'est pas Bereshit. Bereshit, c'est que le commencement de la création. Mais on parle du commencement de tout. Il y a une sauf des sphérodes, des mondes entiers. Donc il dit, il y a un commencement qui s'appelle Av. Et il crée Av qui s'appelle le Père. D'accord? Simplement, on va dire ici, il y a un commencement. Pourquoi il y a marqué Shirutada? Pourquoi il y a marqué ce commencement-là? Parce qu'il y a d'autres. Alors il y a un commencement au niveau de Keter. Il y a un commencement au niveau de Horma. Mais il n'a pas parlé de Sirot ici. Il dit, il y a un commencement. Et il crée Av qui s'appelle le Père. Vous vous rappelez qu'on a vu Av dans le Ramak, il avait dit que Av, il y avait deux possibilités. Une possibilité pour dire que c'est le Père, et une possibilité pour dire que Av, c'est l'origine. Vous vous rappelez ça ou pas? Allez, ça vient ici. Sur Utada de Yikréa, il y a un type de commencement, qui s'appelle Av.
Et ce commencement, il serait l'île Beyoud, il est totalisé dans la lettre Yud. Et maintenant, Yud ici, c'est écrit Yud Vav Dalet, c'est-à-dire c'est écrit de façon déployée. Donc retenez ça. Il y a un commencement qui s'appelle Av et qui est totalisé dans Yud. C'est-à-dire que si on veut se le figurer, on peut le figurer par une lettre Yud. Yud, c'est le commencement. C'est Talia Mimazala Kadisha. Et ce commencement, il dépend d'un degré qui s'appelle la Mazala Kadisha, qui s'appelle le. La Mazala, c'est pas du tout le Mazala. C'est faux, c'est une mauvaise traduction. La Mazala, c'est un flux. Ça vient de Milachon Nozel, c'est quelque chose qui coule. Donc ça vient de l'écroulement, ça. C'est-à-dire d'un écroulement qui vient de plus haut. Donc il y a quelque chose, il y a le commencement, il y a quelque chose qui avance. En tout cas, il y a un commencement qui provient d'un autre commencement. Ou des rincar. Mais à cause de ça, pourquoi à cause de ça? Et à cause de ces deux commencements qui vont s'indiquer l'un dans l'autre. Yud, Kalil, Advan, Acharanim. Le Yud, il totalise d'autres lettres. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de prendre un Yud. Ça veut dire, j'ai pris un Yud, et comme ce Yud-là, c'est le commencement des choses à partir de A, du principe, que c'est lié à quelque chose qui est plus haut, alors ça comprend d'autres choses en soi. Et ça comprend quoi? Ça comprend le Yud qu'on va écrire, Yud Vav Dalet, qu'on va pouvoir expliquer maintenant. Et c'est pour ça que Yud est Tima Zechol Advan Acharan. Et le Yud, c'est le cachet de toutes les autres lettres. Alors, de toute chose, j'ai lu dans le Rabbi Yehuda Staya, il dit un chat très simple. Il dit parce que c'est très simple. Quand on va commencer à écrire n'importe quelle lettre, on va commencer par poser la plume. Et quand on pose la plume, et faites une expérience, si vous voulez écrire n'importe quelle lettre de l'alphabet, n'importe quelle lettre, vous allez commencer par faire un yud. Prenez l'exemple une feuille. Vous faites un yud, et après vous allez pouvoir faire un lef, un chaf, un lamed, un sadé, un même ce que vous voulez. Ça, c'est un pshat facile. Yud, c'est tima de chol advan acharim, mais yud, c'est le cachet de toutes les autres lettres. Yud, recha ve sefra de chila. Et le yud, il est le commencement et le début de tout. Retenez ça. Toute chose commence par un yud, et toute chose finit par un yud. Ça, c'est bien fait. Le pshat, le chem yud kevaké commence par un yud et le chem amni il finit par un yud. On dit que yud kevaké c'est le plus haut, de cette manière-là, et on va dire que amni c'est le plus bas, donc tout commence par un yud et tout finit par un yud. Vous allez me dire, mais c'est parce qu'on a appris, justement. C'est pour ça que la hydra c'est la hydra. Et il va expliquer. Et Aroun Na'ar de Nagid Benafi. Tout le monde sait qu'il y a. Dans le jardin d'Éden, il y avait un fleuve. En fait, tu vois, il y a un fleuve, mais le fleuve, il n'est pas dans le jardin d'Éden. Le fleuve, il est dans le Éden. On va voir ces versets. Je n'ai pas eu de semi Éden, la fille de Gan, et il y a un fleuve qui sort de Éden pour abreuver le jardin. Donc, si le fleuve qui sort de Éden pour abreuver le jardin, on l'a expliqué une fois, c'est-à-dire que Éden, c'est pas le jardin. Donc, il y a un endroit qui s'appelle Éden, il y a un endroit qui s'appelle le jardin. Et le jardin, il s'appelle le jardin d'Éden, comme on dit le jardin du Luxembourg. Vous avez le Luxembourg, mais vous avez le jardin du Luxembourg. C'est pas la même chose. D'accord, c'est le jardin d'Éden. Et maintenant, ce fleuve-là, qui sort et qui s'écoule, il crée Alma Deate. Il s'appelle le monde qui vient. Alors, c'est quoi le rapport avec le Dieu? Il va expliquer maintenant le mouvement de ce Yud. Il a dit que Yud, Recha, veut cette fois de cela. Le Yud, c'est le commencement et la fin de tout. Alors on va expliquer maintenant c'est quoi ce commencement et c'est quoi la fin. Il n'oublie pas qu'ici, il a dit, Taliabé, la Taliabé du Bouddha. Il n'y a aucune séparation. Tout est uni maintenant. C'est la grand-mère. Il voit tout clair maintenant.
Donc je dis maintenant, je vais vous expliquer comment tout ça, ça marche sur fond un seul trait. C'est quoi ce trait? Ce trait maintenant, ça s'appelle ce fleuve dans le jardin de Dieu. Enfin, ce fleuve qui sort de Éden pourrait dans le jardin. Et ce fleuve-là, il s'appelle Alma Beate. Alors ça, c'est très important. Ce soir-là, il faut l'apprendre par cœur. Il sera avant de dormir. Et il dit, et athée, c'est-à-dire, j'ai la pensée. Alma Beate, c'est pas le monde futur. C'est le monde qui vient. Il explique ça veut dire quoi, Beate. Et athée, c'est-à-dire, j'ai la pensée. Il vient tout le temps. De la pacifique et il s'arrête pas. Donc d'abord, on a compris que quand on traduit par le monde futur, déjà on est dans le décor, c'est pas bon. Le monde qui vient, c'est-à-dire que dans le temps présent, il y a quelque chose qui est toujours là. Ce fleuve d'Éden, il coule en permanence. Tout le temps. Et à t'établir de la pacifique. Qui vient de façon permanente et qui ne s'arrête pas. Alors, c'est vous, Rama, qui l'avez dit, mais c'est quoi l'Ati de Lavo? L'Ati de Lavo, c'est autre chose. L'Ati de Lavo, ça veut dire les temps futurs. Les temps futurs, c'est notre histoire, ça, c'est pour les gens qui veulent faire des prospections, et le Mashiach, et le troisième temple, et tout ce que vous voulez. D'accord? Ben, la référence du Zohar, je vous l'ai dit, c'est Resh Tzadik Amoud Bet dans le troisième volume. D'accord? Excusez-moi si je ne lis pas les messages au fur et à mesure. D'accord? Donc, il dit maintenant, il y a quelque chose dans le temps, tout le temps présent. Donc ça veut dire que il y a le temps qu'on vit, et le temps qu'on vit, à l'intérieur de ce temps qu'on vit, il y a un autre temps qui est en dessous. Et c'est comme si vous aviez un fleuve souterrain. Et ce fleuve-là qui est en dessous, c'est le fleuve du jardin d'Éden. Je reprends. Rama qui a dit, mais c'est quoi l'Ati de Lavo? L'Ati de Lavo, c'est notre histoire. Ça veut dire qu'est-ce qui viendra dans les temps futurs. Ça, c'est on ne parle pas de ça ici maintenant. Le chemin ne s'intéresse pas ici. Il dit maintenant, moi, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a un temps qui est tout le temps là. En dessous. Et aïe-hou, il donna de sa vie. Et c'est ça le Éden. Éden, c'est le délice. Et c'est ça le délice du juif. Donc il y a des gens, ils vivent dans ce monde, mais ils perçoivent dans ce monde le monde qui vient. Ils perçoivent dans ce monde qu'il y a quelque chose qui est en dessous. Et qui est à l'intérieur. Les Aka'a, les Ayalma de Ate, pour pouvoir mériter ce monde qui vient. Les Ashke, c'est-à-dire les Ginta, et parce que ce monde qui vient, qui correspond au lieu, qui correspond au fleuve, n'oubliez pas qu'on ne va pas perdre notre fille, et parce qu'il abreuve en permanence le jardin. C'est la facile, et il ne s'arrête pas. Donc c'est ça, Vena'ar, Yotsem et Eden, Yashkot et Tagad, il y a un fleuve. Donc, et d'ailleurs le verset est au présent. Na'ar, Yotsem, il est au présent, et c'est un présent permanent. Et c'est bon, il sera d'accord avec moi. Ah, mais c'est bon. C'est bon. Bon, il ne faut pas remettre le micro. C'est bon, il sera d'accord avec moi. C'est un présent permanent. Et ce fleuve, il coule toujours. Enfin, il coule toujours. Et il ne s'arrête pas. Et ce fleuve-là, il est là. Simplement, tout le monde ne le perçoit pas. Ce n'est pas réservé à tout le monde. C'est réservé aux justes. Et à ce propos, il est écrit Uchemotsa ma'im asherio yichazevu memar. Alors, ça, on va s'arrêter tout seul. C'est quoi? C'est dans Isaïe. Dans Isaïe 58. Et c'est un passage extraordinaire de Isaïe. Parce que Isaïe, il dit, je vais vous décrire ce qui va vous arriver
qui nous comporte bien. Je veux dire que ce sont les plus belles choses qui peuvent vous arriver. Alors, le verset dit comme ça. Vous allez le voir, évidemment, il pense, il connaissait tout le verset. Vénachacha, Hachem Tamid. Alors, Nachacha, ça veut dire, dans la tradition Pierre, Nachacha, c'est ouais. Alors, d'après Rachid, c'est le fait de te dirigement, te dirigera. C'est pas nach comme étant le repos, la tranquillité, mais ici dans le sens de guider. Dieu te dirigera en permanence, le repos fermé. Et isbi'a betsarsechot nafshecha. Et il te rassasira betsarsechot nafshecha avec betsarsechot de ton âme. D'après Rashi, les tsartsachot, ici, ce sont les sécheresses de ton âme, c'est-à-dire qu'il abreuvera les sécheresses de ton âme. Rashi dit, dans les moments de sécheresse et de famine, mais d'après le voir, c'est faux. Les tsartsachot, nafshecha, les tsartsachot, ce sont les lumières qui sont au-dessus des deux sirotes. On avait, nous, traduit, vous rappelez, par les nuitessences. Il y a une porte dans le Pardès qui s'appelle Char à tsartsachot. Et d'ailleurs, c'est marqué plusieurs fois, enfin, deux fois une fois dans la Torah. Et c'est là où c'est marqué ici. Ça veut dire que Dieu, il te rassasira de tous les degrés de lumière. Et atmotera yachalitz, et il fortifiera tes os. Et aïta keran ravé, et tu seras comme un jardin. Ravé, c'est débordant. C'est ravé, ça veut dire c'est comme une coupe. Qui est pleine, c'est-à-dire, elle a vraiment tout pris dont elle a besoin. Et on arrive à ce que Zohar avait cité, où Khremot Samaïm est comme, alors, Khremot Samaïm, ça veut dire comme un jaillissement d'eau. Donc, comme un jaillissement d'eau, à Sherlo, Yéhavevou, Neman, dont les eaux ne déçoivent pas, ou dont les eaux ne. Les razels, c'est décevoir. Dont les eaux ne te décevront pas. Donc, on revient. C'est ce qu'il dit ici. Il dit que ce mouvement-là, maintenant, est un mouvement qui est permanent. Et lui, maintenant, il voit au moment où il va mourir. C'est un mouvement qui est comparé à l'eau. Nous, on a déjà vu pourquoi c'est important de vous rappeler dans le Ramat quand on a parlé de ça. Et que c'est des eaux qui ne sont pas des eaux de déception. Alors regarde, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui cherchent la spiritualité, c'est possible. Il y a plein de gens qui cherchent des choses. Mais en général, ce sont des eaux stagnantes, ou ce sont des eaux qui ne sont pas très claires. Ce sont des eaux troublées. C'est à ou Alma Deatou. Et donc maintenant, ce monde qui vient. C'est-à-dire ce monde qui vient, il vient tout le temps, il n'est tout pas là. Il a été créé avec cette lettre. Donc c'est ça le yud. Le yud, c'est ce qui a permis de créer ça. Alors il y a une Mara qui dit que le monde qui vient, il est créé avec le yud, et le monde présent, il est créé avec un E. Mais quoi qu'il arrive, de toute manière, même le yud, il est dans le E. Et à où elle m'a déaté, il brille des yud. Et ce monde qui vient, il a été créé avec un yud. Donc c'est pour ça qu'il a dit que le yud, c'est l'origine et c'est la fin de toute chose. Ada ou Dupri, et c'est pour ça qu'il est écrit, et maintenant le verset apparaît. Benahar, Yotse, Eden, Yashkot et Tadan, et il y a un fleuve qui sort de Eden, le Ashkot et Tadan, pour pouvoir abreuver le jardin. Très bien. Alors maintenant, on va voir si le sujet. Ce fleuve, il sort de Eden. On a dit que Eden, c'est quoi? C'est une Iduna de Tzadikaya, c'est le délice des justes. Correspond à ce monde qui vient. C'est écrit avec un yud. Donc Eden, il est yud. Les Ashkot et Tagan pour pouvoir abreuver le jardin. Yud, Talil,
Tri Advan, Vav Dalet. C'est pour ça que le Yud, il va comporter deux autres lettres qui sont Vav et Dalet. Vous avez le droit de faire la famille si vous voulez. Ça veut dire, quand vous prenez un Yud, le Yud, il comporte en lui-même ce Yud Zabet. Parce que sinon, on ne pourrait pas. Ce Yud-là, ce Yud Zabet. Donc, quand vous prononcez la lettre Yud, vous prononcez Yud Zabet. Donc, ça veut dire que votre lettre Yud, elle a en elle ce Vav et ce Dalet. Maintenant, quand vous allez l'écrire de façon déployée, quand vous allez l'ouvrir sur Yud, il va se transformer en Yud Vav Dalet. C'est ce que je vais expliquer ici. Alors, on a dit que ce Yud-là, c'est le commencement de tout. Ça s'appelle Av. Je vais pas vous dire que c'est Rorma. Ce Yud-là, c'est Rorma. Et ce Yud-là, il contient tout. C'est un truc que tu l'as des Rorma Sita. Tout est dans la Rorma. Maintenant, il peut se déployer. Et quand il va se déployer, c'est quoi? Et vous avez un endroit qui s'appelle Eden. Et de cet endroit qui s'appelle Eden, va sortir un fleuve. Et ce fleuve, il sort tout le temps. C'est tout le temps là. C'est quelque chose qui ne bouge pas. Ça fait partie de la crainte du principe même des choses. Et il fait quoi ce fleuve? Il est là, mais Ashkot et Tagan, il est là pour abreuver le jardin. On dit que c'est l'alimentation permanente du jardin en eau. Ok. Pas du tout. Maintenant, une fois qu'on a ça, faut qu'on comprenne maintenant le mystère de ce Yud Vav Dalet. Alors pour ça, Rabbi Shimon, il va rapporter un livre. C'est Agatha de Béra. Alors c'est un livre, celui que je vois, il cite souvent des livres que je ne connais pas. Il dit dans le livre des contes de la Yeshiva de Rav Yeba Saba, de Rav Yeba l'Ancien, on a enseigné. Amai Vav Dalet Kedilan de Yud. Pourquoi est-ce que ces lettres Vav et Dalet, elles sont dans le Yud? Et nous on dit c'est la grammaire, nous on dit c'est l'alphabet. Non, pourquoi? Pourquoi est-ce que la Torah, elle a fait que le Yud, il s'écrit Vav Dalet? Et là, Netiya de Ginta da Ikrevav. Alors, ce qui est planté dans le jardin, dans ce jardin-là, de Ginta da, ça s'appelle un Vav. Donc, vous avez un Yud. Ce Yud. Alors, première explication. Ce Yud. C'est le Eden. Quand il va se déployer, ça va devenir un Vav. Et ce Vav, c'est ça qui va déployer, c'est ça qui va permettre de planter dans le jardin. It Binta Achara. Et il y a un autre jardin qui s'appelle le Dalet. Donc vous avez un Yud qui donne un Vav et il y a un deuxième degré qui s'appelle le Dalet. Le Zohar dit souvent qu'il y a deux jardins d'Éden. Il y a un jardin d'Éden, alors, terrestre, et il y a un jardin d'Éden en haut. Et même dans le jardin d'Éden d'en haut, il y a le jardin d'Éden d'en bas et le jardin d'Éden d'en haut. La preuve, le Zohar dit que, par exemple, le Shabbat, ceux qui sont dans le jardin d'Éden d'en bas, ils montent dans le jardin d'Éden d'en haut. Et que ceux qui sont en bas, ils montent dans le jardin d'Éden d'en bas. Mais aïe, femme, et de ce Vav, Ishtakia Dalet est abrogé le Dalet. Donc je reprends. Pénard, mais Eden, depuis Eden, qui est le Yud, sort un fleuve qui est le Vav, pour abroger le jardin qui est le Dalet. Donc le mouvement du Yud, il a en lui toute l'alimentation du monde. C'est un Yud qui va. C'est un Yud qui va porter.
partir, quand on est, parce que tu l'as dit, Yotse, enfin, de ce Éden va sortir un fleuve, de ce Éden va sortir un fleuve, et ce fleuve, c'est le Paf, et le jardin, c'est le Dalet. Et il Dalet, il met Aïva, il s'assied à Dalet. Et Aïnou, Raza, Dirti, et c'est ça, le mystère de ce verset. Et Nahar, Yotse, Ne Eden, Ne Ashkot, et Paga. Il y a un fleuve qui sort du Éden pour abreuver les jardins. Maintenant, quand vous avez un livre, vous serez bouddhiste. Et quand vous avez un livre qui se transforme en livre, Vav Dalet, vous vous dites, vous vous dites, c'est-à-dire que maintenant, il est multiplié. Parce qu'il va dans tous les sens. Et si vous regardez, le Yud à l'origine du Vis, quand il va maintenant se déployer, il fait d'abord un Vav, le Vav du Vos 6, c'est-à-dire qu'il va donner dans les 6 directions. Et après, dans le jardin, ça va être un Dalet, ça va être un 4. Et ce 4, c'est quoi? C'est ce qui est marqué dans la suite du Passouk, « Misham yiparet ve'aya le'arba rachim » et de là-bas, ce fleuve qui va se séparer pour avoir quatre têtes, qui sont les quatre fleuves les plus importants du monde. Et là, ou Dalet, et c'est ça le Dalet. Donc vous avez maintenant toute l'alimentation en énergie du monde. Toute l'alimentation en énergie, parce que c'est comme ça. C'est un Yud qui donne un Vav, qui donne un Dalet. Et c'est ça que la Torah, elle a dit. Et Nahar, Yotse, Me Eden, Me Ashkot, et Pagan, Misham, Yifared, Ayal, et Arba, Rachim, et de là-bas, il va se séparer pour être quatre têtes. Donc on a Yud, c'est Eden. Le Vav, c'est ce que le Yud donne dans le jardin. Et du jardin après, ça va se diviser en quatre. Il a fait mon frère le Révala Kesset. C'est le mouvement vital des choses. Le Bevinkar, le Créav, le Khula. C'est pour ça que ce livre, qui s'appelle, qu'on avait appelé Av, maintenant on revient là-dessus, s'appelle le Père, le commencement. Il est le père de tout. Av le Avad, il est le père de tous les pères. Shiruta de Kula, il est le commencement de toutes choses. Il s'appelle aussi Beita de Kula, il s'appelle la maison de tout. Pourquoi? Parce que c'est Yud. Vous pouvez le déployer. Et quand vous le déployez, alors vous allez avoir le Yud qui donne un Vav, qui donne un Dalet. Mais le Yud en lui-même, il a tout ça en lui. Donc quelqu'un qui a ce degré de Yud, à la limite, il peut atteindre le déploiement à l'intérieur même de la chose. Et ça le grand Sod. Celui qui a ce degré de Eden, dans ce degré de Eden qui est un Yud, on a dit que ça fait sortir un Vav et un Dalet. Mais dans ce degré de Eden, il y a déjà le Vav et le Dalet. Vous suivez? En fait, le Rabbi Shimon lui a dit, moi ça m'intéresse pas, aux histoires avec les Romains et tout ça. Ça m'intéresse pas tout ça, moi. Parce que si moi j'ai des livres, il y a tout là-dedans. Il y a tout. Donc il y a des gens qui ont besoin que la chose se déploie. Et il y a des gens qui savent que dans la chose elle-même, tout est à l'intérieur de la chose. C'est pour ça qu'il s'appelle aussi Beita de Kula, qu'il s'appelle aussi la maison de tout. Comme il est marqué, de Chokma Ibanebaï. Ceux qui ont étudié ce genre, ils savent que Bechorma Yibanebaït, c'est la Malchut. On va dire que donc ce Yud il est Horma, le Vav il est Tiferet, et Dalet il est Malchut. C'est la Gamou. Et ça veut dire que dans Horma il y a tout à l'intérieur. Pour qui Poulam Bechorma, c'est ça. Et maintenant le voir, il n'a pas peur, il va vous ramener les versets dans l'ordre. C'est pour ça qu'il y a marqué Kulam de Chokhmatika, tu as tout fait dans la Chokhmah. Tout se trouve dans la Chokhmah.
Donc celui dans ce monde-ci qui a le degré de format, il a besoin de rien d'autre. Même s'il réussit dans rien. Parce que là-bas, il y a tout. Ou l'un des formats à Sita. Mais ça, c'est Béatré. On veut dire, c'est quand ça se trouve dans le lieu de Chorma. L'eau, il Galia, et ce n'est pas dévoilé. Et pour que ça se dévoile, alors il faut que maintenant ce Eden fasse sortir un peu, et que le fleuve il descende dans le jardin, et que du jardin, ça forme les quatre confluents. Et vous pourrez tout replier. Et si vous repliez tout, vous avez tout à l'intérieur. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Je regarde s'il y a des questions. Ah, Nissim, etc., je ne sais pas, il faut se remettre tout ça. Alors, si c'est comme ça, vous allez me poser une question. J'espère que vous allez me la poser. Alors, comment la Torah, elle marche alors? La Torah, elle a commencé par Bereshit, Bara Elohim, Et HaShamayim, Bet HaAretz. C'est comme ça. On dit que c'est le principe de tout. C'est comme ça. Pourquoi est-ce que la Torah, c'est comme ça? Rabbi Shimon, il peut dire ce qu'il veut. Il y a ce qui est marqué dans la Torah. Pourquoi la Torah commence par un bête alors? Pourquoi la Torah commence par un loup? D'ailleurs, c'est la première question. Alors, si tout le monde était là, ils auraient répondu. Pourquoi? Alors, c'est écrit. Bereshit, c'est Yod, c'est Chorma. C'est bon, je vous l'ai connu plus en forme. Prenez un petit Lechaïm. C'est bon, je suis avec vous, c'est déjà pas mal. C'est pas facile. Allez, tout c'est bon, allez. Et après, on joue une petite chanson de Bar Yochai de Zabaleur. Alors. Absolument. Merci. Alors, c'est bon, c'est marqué dans la Tikkun HaZohar. Oui. Alors, c'est Rosh Yud Tivra. Je vous explique. Bah, de toute façon, on peut toujours considérer que le bête de Bereshit commence par un Yod. D'accord. Alors, mais j'explique pour tout le monde. Vous voyez le verset ici? On prend les lettres et on va les découper. Alors on a Berosh au commencement, Yud, au commencement il y a un Yud, Beresh, Yud, et le Tav, on va le coller aux lettres d'après, Tivra, ou même Tibaré. Au commencement, le Yud Tibaré sera créé, ou Tivra au futur. On peut dire soit au futur, soit au passé. Des roches Yud Tivra. Ou plutôt avec la tête du Yud, ça sera créé. Et vous pouvez dire maintenant comme vous voulez. Des roches Yud Tivra. Vous voyez? Des roches Yud Tivra. Mais simplement ça, c'est marqué devant nous, mais on ne le voit pas. C'est ça que Rabbi Shimon voit maintenant. C'est ça qu'il voit. Il comprend que Bereshit, c'est Berosh Yud Tivra. Alors, comme elle a dit Eliane, après, il fait comme ça, il reste juste deux phrases. Donc dans ce degré de Chorma, il y a tout qui... Il y a tout. Maintenant, et ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a deux moments, ou plutôt deux plans différents. Soit un plan où tout est compris dans Chorma, et le Rizal qui va tenir comme ça. Tout est inclus dans Chorma, ou soit maintenant Chorma, elle va se déployer. Alors, si elle va se déployer maintenant, ça veut dire que du Éden va sortir un fleuve, et de ce fleuve, il va aller dans le jardin. Et dans le jardin, après ce fleuve, il va se transformer en quatre confluents. Ça va s'appeler le déploiement du Yud. Ça s'appelle que ce Yud maintenant, il va se déployer. Alors à ce moment-là, il a besoin de s'unir avec un degré qui s'appelle Ima. Mais Chorma, si vous faites attention, c'est un féminin en hébreu. C'est un masculin féminin, Chorma. C'est une des questions.
Parce que Bina, c'est un féminin, je suis d'accord aussi. Mais Chochma aussi, c'est un féminin. Et ce degré de Chochma, il a tout en lui. Imagine, monsieur, si on n'a pas Chochma de soi au masculin dans la Torah. Chacham, c'est masculin, pour ça, ça c'est sûr. Chacham, c'est masculin. Mais la Chochma, c'est un féminin. Alors maintenant, je l'explique ici. On va aller jusqu'à la fin du texte. D'accord? Alors, et la fin du texte, vous allez voir, ça va être très clair. Mais des travers Béhima, ils trémissent Béhima. Maintenant, quand ce degré de Chochma qui est le Yud, il va s'unir avec Béhima, il va se trouver en allusion dans Ima. Pourquoi? Parce que c'est Ima qui va dévoiler. Donc maintenant, il se trouve à l'intérieur de Ima. Ou Berin, car Ima créera des coulas. C'est à cause de ça qu'on considérera que Ima, la mère, qui est donc la Bina, mais ici, il n'a pas dit les sirotes. Parce qu'ici, on parle maintenant des choses en action. Et donc, c'est un père et une mère. Et ce degré-là, qui s'appelle la mère, il est lui aussi. Klal et Kula, il est la totalité de tout. La différence, c'est que Chorma, c'était Recha et Kula. Chorma, c'était le commencement de tout. Maintenant, Ima, c'est Klal et Kula. Ima, c'est la totalité de tout. Donc, c'est pas la même chose. Pas Itiada, ou pas Itremise. Dans elle, Chorma, Itiada, il se fait connaître, ou pas Itremise, et dans elle, il est en illusion. Shiruta Vesiuma Dekula. Et il est le commencement et la fin de tout. Et Bar Satim Kula, parce qu'en elle, tout est caché. Alors, question à Delechaim. Alma Beate, le monde qui vient, il est dans Chorma ou dans Bina? Et c'est bon. En général, on dit que c'est dans Bina. Et bien ici, il est dans Chorma. C'est ça le Kiddush. Très bien. C'est ça le Kiddush ici. C'est la Hydra. C'est très bien. C'est ce qu'on a appris ici. Alma de Athée et de Rébiyoub. Et on a dit que l'Alma de Athée, c'était ce Yud qui faisait un Vav et qui faisait un Dalet. Mais maintenant, il y a un degré. Oui, il y a un degré où on dit dans Bina. Shiruta Vesiyuma Dekula. Il est le commencement et la fin de tout. Beba Satim Kula, parce que tout est caché dans Bina. Alors maintenant, la conclusion pour aujourd'hui, elle va être très claire. Cela découle. Maintenant, regardons la totalité de tout. Shema Kadisha. Et maintenant, on va reprendre le tétragramme. On va re-expliquer c'est quoi un tétragramme. On va re-expliquer maintenant comme pour un enfant. Ad Ashtar Mizna. Jusqu'à présent, tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais expliqué sur le tétragramme, je l'avais dit de façon allusive. C'est là Amina Kol Ilinyomi et durant toute ma vie, je ne l'ai pas dit. C'est-à-dire, juste, tout ce que j'avais dit avant, c'était des allusions. Mais je ne l'avais pas dit. Et à Igna, Gaïdana, mais maintenant, Midgalsim, Sikri, maintenant, les côtés de glyphes. C'est-à-dire, je peux maintenant lui donner une forme claire. Et maintenant, on va voir. Yud, Kalil, Daïhorma. Le Yud, il est totalisé d'Aïhorma. Le He, Daïma. Le He, c'est Ima. Et Karinan, Bina, et on l'appelle Bina. Donc, les gens, c'est clair. Le Yud, c'est Chochma. Le E, c'est Ima. Et le E, c'est Bina. Vaske, Intridmi. Et Vaske, ce sont les deux enfants. D'accord. Mais ces deux enfants, des Mitatran et Ima, ils se couronnent de Ima. Donc, ce n'est pas le Yud qui va qu'on connaît. Nous,
on aurait pu dire que Yud il est pas bras, le E il est Ima, le Vav il est Tiferet, et le E il est Maté. Là, il a rajouté ici des Mitatran de Ima, qui se couronne de Ima. Ça veut dire que c'est un tétragramme un peu particulier. Maintenant, il comprend que Vav fait, c'est pas que parce qu'au début de la Hydra, ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Colma de Amina de Akekedisha, de Colma de Amina de Diranpil, Kulachad, tout est un. Donc il ne va pas maintenant reséparer en disant qu'il y a Yudke et Vaske, et que c'est Rokoma Bina et Tiferet Marou. Maintenant il dit que tout est un. Alors si maintenant tout est un, donc maintenant ces deux Vaske, le Vav et le Ké, qui correspondent à ces deux enfants, ils se couronnent de l'Ima. Ils sont complètement liés à Ima, et quelque part, c'est Ima qui les couronne. Comme si le Vav et le E, ils étaient à l'intérieur du E. Et Hataminan, c'est Bina, Ikeimikula. Parce qu'on vient de dire que Bina est une totalité de tout. Yud, les Mitrabra, c'est Ima. Yud, qui va s'attacher à Ima. Donc, c'était le Yud entier qui est déployé. Ou maskin ben, et ils font sortir ben, et ils font sortir un enfant. Et c'est quoi cet enfant? C'est Bina. Av va'em, et donc le père et la mère, les inoun yuke, et qui sont yud et leke, ben de ravayou, et on a le fils au milieu. Donc c'est comme si on avait yud vaskeke. Comme si on avait ici Yud Vafrehe. Et puis comme si on avait Yud Vavdalet, Yud Vavdalet Ben. C'est ce que je veux dire ici. S'il y a des questions, je veux bien. Dites-moi. Je crois que pour bien comprendre ce que vous avez fini par expliquer pour Chorma, il faut lire la parenthèse où il y a marqué Chorma écrit. C'est plus clair. Donc, mais ce sont des ajouts où on a voulu rajouter des sphirotes pour en sortir. Non, mais de toute façon, là, on ne parle pas spécialement de sphirotes. On est en train de parler de Chorma et de Bina. On a quand même... Oui, mais pour le moment, au début, il n'a pas dit Chorma. Je suis d'accord. Au début, il a dit Shibutada d'écrit il Kalil Beyoud. Oui, d'accord, mais il a quand même apporté le pasouk de Chorma et Banévaït. Une fois qu'il a expliqué ça. Oui, mais c'est pour la compréhension, c'est tout. Nahon, mais justement, on ne parle pas des sirotes. Les sirotes, c'est une fois qu'on a terminé. Donc, effectivement, tous les ajouts là, en général, des fois, c'est été rajouté après. Donc, effectivement, comme on veut s'en sortir avec les sirotes, alors on va rajouter les sirotes. Elle a dit Chorma Ikré. Mais ce n'était pas évident, faut que je vois dans le Ramat quelle version il a. Et donc après, maintenant, il va expliquer comment est-ce que Bina, elle est ben mutée. Bina, c'est la fille du Yud éduqué. Pourquoi? Parce que ce Yud, quand il est compacté, il se trouve dans Chorma tout seul. Et maintenant, il faut se déployer. Mais maintenant, même, mais il est toujours dans le lit. Bon, voilà. C'est le coup de Rabbi Shimon, soit pour nous, s'il y a des questions. Alors, Monsieur Dré, on ne savait pas. Nous, on pensait que, de base, comme vous avez dit, c'était le Yud-Kevavke facile. Mais ici, le Yud-Kevavke de la Hydra, ce n'est pas le même. Le Kevavke de la Hydra, ce n'est pas le même. Ça, on ne le savait pas. Parce que... Mais on savait que le Yud, c'était la Chorma, qui donnait le E de la Bina, et après le Vav et le E pour les enfants, on savait ça. Et le départ, enfin, on savait déjà. Mais maintenant, il s'y rajoute de Mitatran Neima. Et A, Taminan, de Bina, Ukalil Nikula. Ici, les dents. Il dit, Klala de Khula.
Shema Kadisha Adashtara Mivna. Il dit le nom saint, jusqu'à présent, j'en avais donné des allusions. Mais là, Amina Kol Imiyoni, mais je ne l'ai pas dit durant toute ma vie. Donc, ce n'est pas que le jour de l'Allemagne en mer, on a eu expliqué les deux quartiers pour le territoire. C'est une confirmation alors? Non, c'est que maintenant, je t'explique vraiment la chose. Adashtar Mizna. Jusqu'à présent, c'était un remède comme ça, comme on disait Yud Kevafir, Roma Bina, etc. Mais là, Amina Kolim, Vea Idana, mais maintenant, Midgalfin, Citrine, les côtés sont glissés. On dit maintenant, c'est plus. Maintenant, c'est glissé, c'est gravé. C'est gravé, ouais. Donc, il faut relire ce passage. Si effectivement on est arrivé jusqu'à la Hydra pour savoir que Yud Kevaskier c'est comment t'as mis Torah, Roma, Bina, Tiferet et Marcout, on n'a pas gagné grand chose. Ouais. Donc on a le mérite de comprendre la Torah de Rabbi Shimon, Baruch Adonai l'Olam, Amen, Ve, Amen.